Hello everybody, on se retrouve pour la deuxième vidéo de SnowRunner. Et petit correctif par rapport à la première vidéo, j'avais dit sur le cadran à gauche, en bas à gauche là, j'avais dit à côté de la station service là, il y avait marqué 235 sur 240 litres. Et à côté j'avais marqué, là j'ai marqué 0, j'avais marqué les kilomètres. C'est pas les kilomètres, ça, c'est la consommation de carburant. C'est des litres, bon, par, alors, je sais pas, il y a du MN, alors je sais pas, minute, ça m'étonnerait quand même, ça fait beaucoup, mais bon, jamais, par heure, ou enfin, je sais pas, enfin, en gros, ça c'est à peu près la consommation, je pense, qu'on utilise selon comment on conduit. Si on conduit comme un sagouin comme moi, ben, on risque de consommer pas mal, mais bon, bon voilà, c'est la consommation, je pense, tout ça, ben, voilà, c'est pour vous dire ça. Ensuite, je voulais vous montrer ceci. Attendez, comment ça marche ce truc là? Ah, y arriver là. La carte, elle est là. Allez, la carte, elle est là. La carte. Voilà, la carte. J'ai fait tous les tours de guet. Dans la carte à découverte, à part. Bon, il y a un peu de noir encore, des endroits, mais j'ai la main. Ensuite, les camions. J'ai récupéré tous les camions et j'en ai vendu certains. Et j'en ai gardé 2 ou 3. Vous allez voir, je vous les montrer. Et après, j'ai fait quelques bricoles dessus. Et après, c'est les remorques. Ce sont les remorques par-ci par-là qu'il y a un peu partout. Bon, il y a des lieux, voilà, et puis etc. Il y a une station de service en plus que j'ai vue par rapport à l'autre hein, qui se trouve là. Sinon, voilà. Ouais. Donc, ensuite, ben, on va commencer. On va commencer la mission oui, de suite parce que on va commencer par j'ai fait 6 missions je crois, 5-6 missions. Là maintenant on va faire une autre avec vous, un contrat, et on va faire sauver la récolte. Alors sauver la récolte, une ferme voisine a été très durement touchée par les inondations. Ils auraient besoin de matériaux de construction de base pour les réparations. Nous ne voulons pas nous retrouver à manquer de nourriture. Alors il faut livrer à la ferme, alors j'ai déjà livré à la ferme une fois, mais là il faut encore livrer, des briques par deux, des planches par deux, et des planches de bois et des planches de métal par un. Ça coûte, ça, enfin, on aura 3800 d'argent et 420 d'expérience, quoi. Donc, on va activer. Tac, ça y est, c'est activé. Donc, il n'y a plus qu'un. Alors, je vais de suite. Puisque vous voyez que ça clignote. Alors, je vous explique aussi, ça clignote ici. Ouais, ça clignote là, ça clignote d'ailleurs, ça clignote un peu partout l'air. En fait, c'est parce que c'est les endroits où il y a des remorques, ou soit des remorques comme là, ou soit des choses qu'il faut aller chercher, ben, les briques, le bois, etc. quoi. Alors, il y a des endroits différents, ici, non, là, il y en a un là. Là, il y a, je ne sais plus ce qu'il y a là, c'est du bois qu'il y a. Hein. De bois, bon, etc. Donc. Ben donc voilà. Donc je vais faire ici parce que c'est le premier. Ici, avec le GMC, je vais prendre cette remorque. Et on va pas tarder. C'est ici. Alors le GMC, il est là. Le GMC, c'est le GMC que j'avais de base. J'ai fait quelques bricoles, à savoir que j'ai augmenté la suspension. J'ai mis une suspension surélevée. Elle était un peu plus basse. Il était un peu plus bavard. J'ai changé quelques bricoles. Bon voilà, on ne sait plus trop d'ailleurs. Le moteur aussi, je crois, j'ai accéléré un peu. Bon, les trucs d'échappement aussi, tout ça. Et puis voilà, bon, enfin, je sais plus. Après l'intérieur, ouais, non, l'intérieur, ça va changer. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer vite fait. Avant de commencer, je vais quand même vous montrer. Changer le camion. Je suis là. Alors celui-là, c'est le camion d'exploration. C'est un Can Marshall. C'est un tracteur Pays de l'Est. Un tracteur, un 4x4 des Pays de l'Est. Je l'ai aussi un petit peu modifié d'ailleurs. Hein. Pas modifié, mais un petit peu, comme vous pouvez voir, donné une couleur un peu spéciale. Avec un pare-buffle devant, etc. Bon, les routes, par contre, les routes est comme ça. Hein. Et l'intérieur, c'est spartiate, mais
Ça monte aux arbres presque, je peux vous dire, hein, presque. Donc c'est avec celui-là, je peux vous dire, si vous commencez, parce que quand vous commencez le jeu, les tours de guet et tout ça, il vaut mieux commencer d'abord par explorer. Et après, vous pourrez faire les missions, parce que vous savez où se trouvent les choses. Pour explorer, le mieux c'est celui-là. Hein. Là, c'est un DLC, normalement, je crois qu'il est de base, normalement. Donc c'est le mieux, hein. C'est mieux. J'ai viré le pick-up que j'avais, le Chevrolet, c'est celui-là le mieux quand même. Hein. Donc, au moins avec celui-là, on peut jouer salement, comme on dit. Donc voilà, allez go. Ça, ensuite, je vous montrerai le dernier. Ici. Non, pas là. Là, que j'ai mis. Je me suis avancé, je l'ai mis à l'endroit où il doit être. Le Freestar. Le Freestar. C'est pas ça. Ah, tu peux m'embêter. Le Freestar. On va faire comme ça. Le Freestar, c'est le. Alors, le Freestar, c'est une 4 roues motrices. Alors, le Freestar, je l'ai récupéré dans les marécages, là, par là. Je l'ai ramené. Je l'ai gardé parce qu'il est 4 roues motrices. Et il a un différentiel autobloqueur. Alors, donc, au moins, c'est pratique. Ensuite, je lui ai donné une couleur aussi différente. Des pots d'échappement aussi. Je lui ai mis une benne comme ça. Donc, ça fait la deuxième. C'est un Freestar, un international. Bon voilà, bon, il est pas mal. Pour l'instant, j'ai gardé ça. L'intérieur, c'est comme ça. Bon, je vous montre vite fait. Voilà. Ok. Donc, je vais. Ouais, de toute façon. Ouais, je vais pas atterrir avec celui-là, hein, de toute façon. Tu que je suis là? Pas atterrir avec celui-là. Allez, go! Alors, pour vous montrer une chose avant, puisque j'ai. Les vitesses, parce que je change de vitesse aussi. La boîte de vitesse avec les améliorations, parce que j'ai fait des améliorations, j'ai mis tout ce que j'ai pu mettre comme amélioration. Donc ici, vous pouvez voir, on a en appuyant sur L1, on a. Oh, ben non, rien d'ailleurs. Ah, ben non. Ah non, c'est sur le. C'est sur l'autre. Bon, mais non, c'est bon, je vous montrerai après. Vitesse lente. Les vitesses lentes, c'est L1 et le joystick. Hein, on fait. Donc, je vous montrerai sur l'autre, mitigé temps. Parce que celui-là, j'ai rien fait en fait. C'est sur l'autre que j'ai fait. Sur le petit 4x4. Donc, on va perdre de temps. Je vous montrerai après. Allez, go. Ça va être tout assez long. Alors, cargaison, briques, bois métal, c'est des briques ici, je pense. Briques. Bloc béton, non. Pièce de rechange, non plus. Ah, il y a des planches de métal. Mais les planches de métal, je les disais là-bas déjà. Donc, c'est pas la peine. Des briques. Des briques, il m'en faut deux. Une et deux. Et logiquement, on est bon. Donc, on va y aller. Et là, j'ai une remorque aussi, d'ailleurs. Bon, allez go. Parce que j'ai deux ou trois endroits à faire, alors pour amener à la ferme, alors. Voici celui-là déjà. Puisque je suis à celui-là. Alors, je vais voir si je vais passer par là. Il faut que je regarde. Alors, il faut étudier la route quand même, parce que du coup, parce que j'ai pas étudié. Parce que je me suis fait un peu embêter. Si je passe par là, je descends, ça fait vachement loin quand même cette histoire. Hein. Ça va où ça? Par là, par là. Voilà, on va pas m'embêter. Pas du tout. Allez, go! Mais ça fait rien. Je vais faire comme je voulais faire. Vous allez voir, on va galérer un peu. Parce que la boîte 4 roues motrices. On va dire que c'est pas le pied. C'est ici qu'il faut que j'aille. Ouais, normalement, oui. Ouais. Ouais, j'ai le garage en bas, donc c'est ça. Allez. Ça fait un descendant, alors ça devrait aller.
Oula, oui. Oui, c'est ça. Parce que pour monter, j'ai galéré quand même. Patin là, mais plus bas. Parce qu'il y a de l'eau. Voilà, ça devrait aller, ça descend. Mais c'est vrai que. Ici, ça devient un petit peu mouillé. Bon, ça j'ai le câble. Hein. Le treuil. On n'a pas peur, c'est ça, on n'a pas peur. Allez, on y va. Alors, ici, c'est ici que ça se complique un peu. J'ai envie d'essayer côté gauche, là-bas. Parce que j'essayais là au milieu, c'était pas bon. Hein. Je vais essayer là. De toute façon, ah bah ouais, ben non. Bon. Alors, on va pas s'embêter. Alors, pour vous montrer la petite vitesse, rapport court, L1 et avec le joystick et on relâche. Pour le différentiel, on appuie. Tac, différentiel est mis. Mais je crois que je vais passer par là quand même. Hein. De toute façon, je suis passé parce que là, sinon. Même avec le différentiel, il passe pas. Hein. Il avance petit à petit. Bon, dans ces cas-là, on va prendre le treuil. Alors le treuil, on va essayer d'accrocher le treuil. Pour accrocher le treuil, il y a des points ici un peu partout. Pour ceux qui ne connaissent pas, on appuie sur la croix et on choisit. Alors on choisit le premier. Hein. Choisis avec la croix directionnelle. Hein, là, je choisis le premier et j'appuie sur sélectionner. Et là, on va chercher. On va chercher pas grand-chose. Hein. On va chercher celui-là. Mais je suis devant en plus. On va essayer et on appuie. Mais ça sert pas grand-chose ce que je suis en train de faire. Et pour attirer, on fait pour tirer le treuil, il y a deux solutions. Fait comme ça avec le. On s'appelle le triangle. Et pour aider, on accélère en même temps. Et là, je suis mal barré, hein, cette histoire. Hein. Je suis plein dedans. Mais c'est un peu le problème, cette histoire. Alors, pour la marche arrière, on fait comme ça. Hop, je tac. Et on appuie. Et bon. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Si, ça va être. Ça avance, ça avance. Avec différentiel. Oui, on avance quand même. C'est exactement là où il fallait pas passer. Ah ouais, ça y est. Bien encore, on est en descente. Bon, du coup, je vais rester comme ça, là, pour la peine. Je vois que ça marche. Bon, je vais essayer d'enlever le différentiel, voyons ce que ça donne. Alors, différentiel, c'est avec vitesse lente. Hein. Sinon, ça marche pas. Hein. Voyons. Ouais, non, je crois que je vais le remettre. Hein. Ouais. Alors le différentiel, ça sert à faire marcher les 6 roues en même temps, puisqu'il y en a 6. C'est comme ça que ça sert. Ça sert. Et une fois qu'on est passé, on le désactive. Hein. Et après, je vais même désactiver la vitesse lente, et ça devrait marcher maintenant. Là. Et là, ça devrait être bon.
C'est vrai qu'il aime pas trop la flotte, ce camion. Hein. Bon, ok. Là, on est arrivé devant le garage. On va, comme d'habitude, enlever les deux roues, les quatre roues motrices. Bon. Là. On va essayer de faire deux livraisons déjà. Là, j'ai donc. Qu'est-ce que j'ai déjà, j'ai dit là? Des briques. Je sais pas si oui, c'est marqué 2. J'espère que il faut pas y revenir, ça va? Allez, on s'arrête pas. Hein. On est passé. Alors, la ferme, c'est là. Alors, il faut que je fasse gaffe aussi. Parce que la ferme, il y a de la boue aussi. Hein. Ah ouais, carrément. J'avais même pas mis le. Comme quoi? On va mettre les 4 roues maintenant. J'avais même pas vu les 4 roues motrices. Là, par contre, alors, un conseil d'amis, c'est ici qu'il faut aller livrer la ferme. On va se mettre ici. Tac, là. Ouais, parce que là, c'est mouton de côté. Alors, on va aller livrer ça. Ouais, donc ça c'est les briques. Il faut encore que j'amène donc ça et ça quoi. Donc on fait décharger. Donc les briques, on est bon. 2 sur 2, c'est ok. Donc le bois et le métal. Alors le métal, je vais le trouver. Je vais me reculer d'abord. Où je vais? Je vais me mettre là. Stop. Stop aide. Je vais me reculer. Le frein n'y a pas forcément besoin. Par contre, je vais l'arrêter. Ensuite, le GMC. Alors, le métal, c'est ça. J'ai deux de métal. Et c'est pour ça que je vais prendre là. Donc c'est parti. Alors celui-là c'est un deux roues motrices par contre. Hein. Où est-ce que je suis là? Oh pas bien. Ça marche? Oui non si j'arrive. À... Qu'est-ce que ça donne? Attelé. Non, la remorque est trop loin. Ouais, elle est mal mise surtout. Alors là je suis mal mis. Je vais me mettre comme ça. Hop, 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 hop! Bon, il a, on est bon ou pas? Sélectionner le point de. Quoi le point de treuil? Attends pour moi, atteler la remorque. Tac! Ouf, ouais, bon, c'est. Ok! Donc là, on est parti. C'est du métal, hein? Ouais, il y en a deux, donc c'est bon. Allez, go, on y va. Allez, go! En route Simone. Et où? Basse. Par contre. Ouais, mais c'est pareil de toute façon. Je vais faire comme ça. Il faut que j'aille chercher du bois de toute façon. Comme j'ai plus de métal là. J'aurais pu prendre avec une remorque après et puis tout, mais comme j'avais le métal ici. On va faire comme ça. Il avance ou pas? Il patinerait un peu quand même, on dirait, non?
Ah, il patine. Je consomme du 6, 7, 7, 8 là, 8. Hein. On va y arriver quand même, oui, lentement et sûrement. Ouais. C'est un peu la galère, hein, ces histoires. En fait. Ouais. En fait, je sais pas si je vais pas revendre celui-là, si je vais pas racheter un camion, plutôt. Pop, 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 un 4x4, quoi, comme l'autre, quoi. Finalement, hein. Je sais pas. Parce que... Ah oui. Parce que quand il s'agit de tracter, il n'est pas facile. Bon, c'est quelle heure là? Oui, allez hop, on passe l'heure, hein. 6 heures. C'est mieux, vaut mieux. Ouais, parce que bon, je passe, moi je passe un peu accélérer le temps. Alors moi bon, j'accélère le temps parce que là, dès qu'il commence, et puis dès qu'il commence à faire mieux, c'est pas terrible quand même. Bon, pas grand chose. Et puis en plus. Il faut bien le dire. Bon, vous savez quoi? Comme tu m'embêtes. Comme tu m'embêtes. J'ai le camion. On va mettre celui-là, à la place. Et puis bon, pour faire des vidéos, c'est quand même mieux, on voit mieux quand même quand. C'est mieux pour faire des vidéos. On voit mieux. Donc j'essaie de reculer comme ça. Ah, ouais, bien sûr. Hop. Hop. Atteler la remorque. Tac. Zou. Allez, c'est parti. Papapapam. Papam. Allez, la deuxième livraison. Ouais, c'est bon. Chut, pas plus. Hop, hop, un sur un, c'est celui-là. Ouais, métal. Et voilà. Donc il me reste le bois. Ouais. Le bois. Parfait. Ah, par contre, la remorque, je l'ai toujours. Bon, elle va m'embêter. Tu vas m'embêter pour reculer, toi, quand même, un peu. Merci de merci. Oui, je pense que tu vas reculer d'une manière ou d'une autre. Ouais. Pile poil, t'es exactement là où je voulais que tu sois. Détaché du moment que tu me gênes pas. Merci bien. Voilà, voilà, voilà. Il me reste plus que le truc à aller chercher. On est à 25 minutes. Hein. Bon, allez, on va aller chercher. Je vais chercher avec celui-là. Ouais. Je vais aller chercher les planches de bois 2. Alors, ouais, où ici? Pop, 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 ouais. On va aller chercher le plancher de bois.
Et puis on verra. Bon, et celui-là, je l'ai gardé parce qu'il est 4 roues motrices, mais à l'autre, je voulais le virer quand même. Bon là, normalement, il n'y a pas de difficulté. Enfin, il n'y a pas de difficulté. C'est vite dit. Bon, allez. Ouah! Un caillou. Ouais, c'est bon, c'est pas grave. C'est passé. Le pont. Combien 121? Je peux aller faire le plein en même temps passant. C'est pas facile à diriger avec la manette, hein, quand même. Ou c'est peut-être parce que j'ai pas bien réglé la manette, je sais pas. Mais bon, ça valait quand même, oui. À faire avec. On va essayer comme ça de faire des missions maintenant. Ouais, mais zut, ouais, m'en fous, hein. On peut passer par là, hein. On va y aller doucement quand même. Boum, dégagé. Hop. Hop là. Bon, après, il faut dire, on n'a pas de bons pneus non plus. C'est des pneus. C'est pas des pneus tout terrain, c'est des pneus trucs alors. Pneus d'autoroute. Qu'est-ce que je cherchais là? Ouais, station service. 60 litres. Ça chute quand même. Par contre, je voulais. Oui, l'usine, elle est là. L'usine à bois. Ah ouais, c'est vrai que j'aurais pu même passer. Ou alors à moins que... Ouais, mais c'est vrai. Non, j'ai dit des bêtises. La remorque, j'ai envie de la laisser, j'ai envie de me chercher plutôt le... Ah, alors non, si je... Ben non, l'usine est là-bas, oui, t'as ça. Oui, j'ai pas le choix. Ouais, l'usine est là-bas. Où est-ce que celui-là? Ici, ouais, on va revenir là-bas, non, j'ai pas envie. Je vais faire comme ça, allez go, ouais, ça ferait rien. Allez go, on va essayer comme ça, ouais. Parce que tirer avec la remorque, je vais garder la remorque là-bas, tant pis, c'est pas grave. Ah, c'est pas le petit 4x4, quoi, hein? Ah, je disais, le petit 4x4, lui, il monterait presque aux arbres. Mais là... Bon, ça avance, c'est quand même... Elle la bloque. Allez, bravo! Pas grave. Tant que ça roule. Oh, mais c'est pas vrai. Ah, il est bas celui-là. Il a la suspension qui est basse, donc forcément.
Je l'ai là, oui. Donc, je vais aller. Non, je disais, non, j'ai pas envie de tracter. Alors, je pourrais tracter, mais pas grave. Il est plus bas, oui, il est plus bas que l'autre, peut-être. Oui. je vais. Alors, je peux prendre la remorque ou je peux charger. Ça me fait chier la remorque. Je vais faire comme ça. Elle va rester à la remorque. Allez, go! C'est pas grave. Planche de bois par deux. Hop. Plancher de bois, qu'est-ce qu'on peut prendre? Plancher de bois. Plancher de bois et plancher de bois. Chargement automatique. Ouais, parce que si je fais R2, c'est chargement manuel. Mais je sais pas m'en servir de la grue, on va pas perdre de temps, hein, de toute façon. Je veux pas comme la marche, tu vois. Allez, go. Chargement automatique. 1 et 2. Allez, go. C'est parti, ma kiki. Là. Là, on va aller tout droit là-bas. Allez. On va essayer de finir cette mission. Ouais, faut essayer d'acheter notre camion. Et puis, ben, au moins 4x4 parce que c'est vrai que. Ah, le problème, celui-ci est 4x4, il a du suspension tu masse. Et l'autre, il est. La situation s'est relevée, mais il est que deux roues motrices. Où est-ce qu'on va? Ici. Oui, c'est tout droit. Hein. Et pas le choix. Hein. Oh là 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 là. Allez, un bloc! Allez, oui. C'est bon, allez, passez. J'ai rien senti. Ouais, et il est vachement plus bas celui-là, ce qui fait que. Et ouais, forcément. Mais il n'y a pas le choix, j'ai pas de suspension à se relever. Donc. Mais bon, c'est ça quand on veut conduire trop vite. Allez, go! On est sur la route. Et on enlève mes 4 roues motrices. Et voilà. Allez, go! Il faut consommer assez. 214 litres, c'est bon. Et allez. On arrive d'où? De la gauche, non? Oui, là, on est passé le pont, ouais, c'est vrai. Si je faisais comme ça, voilà, change un peu. Bon, ouais, une demi-heure. Ouais, je vais essayer d'entrer ça, puis c'est bon, on va pas. Je vais. Après, on va tout droit vers le garage là-bas, oui, c'est ça. Petit crabotage. On va voler un petit peu comme ça, alors. Ouais, c'est moins chiant que la remorque quand même. Tiens. Bon, j'ai 5 à trous, hein. C'est pas grave, et vous? Ça y roulera mieux peut-être ici. Sinon, en fait. Oh ouais.
Quoi qu'on sauve l'avantage, quoi, mais bon, ouais, bon, c'est pas grave. Là. Et là, on arrive. Où ça connaît ici? On ne voit même pas le passage. Allez, go. Hop. Et hop. Et voilà. Allez. Zou. Ouais. Il faut se mettre de ce côté parce que si on se met trop sur la droite. On s'enfonce, je sais. Donc, on va faire comme ça. Et un cargaison, on va pas plus. Allez, go. Et voilà. Et on fait décharger. Contrat accompli. Voilà. Très bien. Alors, sauver la récolte, c'est fait. Cela va vraiment les aider. Ces agriculteurs auraient eu de sérieux problèmes si vous ne les avez pas aidés. Je suis sûr qu'ils vont vous contacter de nouveau. Donc, on a gagné 3 800 dollars. Hop. Donc, voilà. Mon année, hein, j'ai 41 500, parce que comme je dis, j'ai vendu les véhicules, 41 500, et on est à 1030 sur 1200, 1030, oui, sur 1200, c'est le prochain niveau, je crois. Je suis au rang 3 de chauffeur, et pour avoir 4, c'est, je crois, 1200, je pense, c'est ça, si j'ai bien compris. Donc, 7e émission de fête sur 82, 5 véhicules possédés, distance parcourue, 44 km, apparemment, 300. En tout, je pense. Ouais. Véhicule débloqué 5 sur 8. J'en ai 3 autres à débloquer encore sur les autres cartes. Des points de vue, j'en ai 8, oui, bien sûr. Et autorisation découverte, j'en ai 6 sur 21. C'est pour ça qu'il faudra que j'aille. Mais désolé, la première, ouais, t'es obligé d'aller de toute façon. Il veut le faire aller normalement. Je pense qu'on peut. Là, on est à combien? Ouais, 37. Je vais l'arrêter. Non, stop. Arrête-toi là. Je dois faire ça en off. Normalement, il faut logiquement. Vous voyez des contrats encore, ouais. Mais par contre, il n'y a pas de tâches, par contre. Par contre, parce que c'est où que ça se passe? C'est ici. Le barrage, il est ici. Le passage, c'est le passage vers le barrage. Un barrage, en fait, le passage vers la nouvelle carte. La deuxième carte, puisqu'il y en a 4 cette carte, hein, en tout. Mais avant, il faut effectivement. Je pense qu'on pourrait, en fait. On pourrait, hein, la deuxième. Je sais pas. Mais elle est bloquée normalement. Hein. Non, on peut pas y aller normalement. Hein. Oui, non, mais non, on peut pas y aller, non. Non, non, on peut pas y aller. Il faut. On peut aller qu'aux autres régions, aux premières cartes et des autres régions, en fait. Alors peut-être que je ferai. Pour l'instant, je vais continuer. Non, je continuerai déjà. Parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire là. Et essayer de. Il y a beaucoup de missions à faire encore. Hein. Essayer d'en faire au maximum avant d'essayer d'arriver au passage. Au passage. Parce qu'après, il y a des tâches, c'est-à-dire des défis, tout ça. Apparemment aussi, mais pour l'instant, j'en ai pas. Les tâches, j'en ai pas. Les défis, les contrats, je veux dire. Qu'est-ce que j'ai comme contrat? Le nouveau, c'est l'essentiel. Bon, voilà, mais ça, je vais voir après. Je vais pas le faire parce que on est quand même loin. Je vais pas m'embêter. Parce que je vais vous montrer un truc. Non, j'ai loin. Je vais vous montrer le CAN 39 Marshall. C'est le camion, petit camion russe. Je vais vous montrer comment il marche, et puis en même temps, je vais vous montrer les vitesses. C'est lui que j'ai changé la boîte de vitesse, en fait. Le moteur aussi, d'ailleurs. Hein. On va démarrer, on va le fermer. Alors, il est impeccable, hein, celui-là. Alors, ici, j'ai changé la boîte. Alors, la boîte, on la change avec LR, hein. Mais il y a la boîte automatique quatre rapports, en fait. Bon, ça, c'est la marche arrière, toujours pareil, ça ne change pas. Mais ici, il y a une vitesse de plus. Alors. On démarre. Pour passer la vitesse, il y a 4 vitesses comme ça, mais si on fait celle-là,
Il nous dit que le moteur, il nous dit pas, mais non, il a du mal. Le moteur est prêt à caler. Pourquoi? Parce que c'est des vitesses, c'est des rapports longs. Donc pour la faire marcher, il faut faire ça en fait. Il faut appuyer. Et là un peu. Bon, après, je sais pas si ça donne un virement en vitesse après, mais bon. Ouais, finalement, je pense que c'est plutôt vitesse intermédiaire alors en fait, non? Je sais pas. En fait. Ensuite, on a le rapport court. Alors avant, il y avait un rapport court. Maintenant, ici, il n'y en a pas un, il y en a trois en fait. Il y en a un en haut et un en bas. Alors, rapport court, ça donne ça. Donc, c'est-à-dire, ça correspond à un rapport court d'un 4x4 chez nous occidental, parce que c'est une vitesse automatique, donc ça donne ça. Si j'appuie sur celui-là, on accélère un peu déjà. Et si j'appuie sur celui-là, non, c'est le plus le en fait c'est le plus petit celui-là. Par contre, il faut si j'appuie. Bon, je sais pas si il faut non, oui, normalement c'est oui, ça devrait normalement marcher comme ça, sans comme une voiture, hein, normalement. Et pour la marche arrière, il faut faire comme ça, bien sûr, en appuyant sur accélérer. Là, il n'y en a qu'une, par contre. Hein. Ensuite, c'est un 4x4 automatique, un 4x4 permanent, je veux dire. Donc, il n'y a rien à faire. Le différentiel, par contre. Comme je dis, il faut se mettre sur le rapport court donc, et il faut appuyer sur L1 avec la. Là, on débloque, on bloque les quatre roues. Donc les quatre roues ont tourné en même temps, et donc ça va tourner. Bon, ça, c'est pas évident, hein, mais. Bien ce. Qu'est-ce que j'ai fait? Surface? Surface quoi? Qu'est-ce qu'il a marqué? Bon. Qu'est-ce qu'il a marqué en fait? Il n'y a rien compris là, cette histoire. Hein. Hop. La marche arrière. Blocage français sur surface dure. Ouais, il a principal. Bah en fait, le différentiel est. Ouais, c'est pas grave, m'en fous. Ah oui, non, c'est le reste pour moi. En fait, oui, qu'est-ce qu'il m'a dit? Que le différentiel. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, si. Ouais, ça s'utilise pas les différentiels sur les vitesses sur sur l'asphalte, hein. Bien entendu, donc j'utilise sur l'asphalte, mais ça s'utilise sur la terre. Donc c'est des pneus boue que j'ai. C'est pour vous montrer le rapport court quoi, en fait. Je vais entrer dans la garage d'abord parce que j'ai vais réparer comme ça. Hop là. On va rentrer dans le garage et comme ça, il a entièrement réparé et l'essence aussi. Alors j'ai donc le camion. Ici j'ai quoi? Alors j'ai celui-là. Celui-là j'ai bon, j'ai essayé de le virer parce que je le voulais pas peut-être regarder des films. Mais c'est pas un 4 roues motrices non plus. Non, si c'est un 4 roues motrices, toujours actif, 4 roues motrices, il n'y a pas de différentiel. C'est quand même un camion peut-être un peu plus gros, mais j'aime pas parce que devant il y a les grilles, on voit rien pour conduire, même si je conduis par l'extérieur. Je vais essayer de le virer quand même, si je peux. C'est un lourd. Lourd, ouais, donc ça c'est mon truc là. Là il n'y a rien. Là il n'y a rien. Là, je vais vous montrer ça, mon scoot. C'est l'International Scout. International. C'est un 4x4 aussi. Qui est 4 roues motrices avec un différentiel permanent par contre lui. Et donc, tu vois, je vais le garder parce que je crois que j'en ai besoin pour faire des trucs.
Donc on peut changer, j'avais changé le moteur, je crois, la boîte de vitesse, c'est une boîte de vitesse standard. Donc je vais pas acheter celle-ci à 2100. Je verrai, de toute façon. C'était pour montrer. Bon, alors donc je vais repartir. Non, pour l'instant je vais repartir avec celui-là. Ouais. Ça c'est le concessionnaire, je m'en fous. Allez, go! Et voilà. Pour sortir, on fait comme ça. Et donc. Et normalement. Ouais. Allez, go! Donc voilà. Je vous ai montré ça. La vidéo est finie. 46 minutes, ouais, ça suffit. Je vais m'attaquer moi en off à autre chose. Lui, je vais le mettre là. Hop, il va rester là. Et voilà. Donc après, on va faire plusieurs missions, je vais essayer d'en faire. Puis après, on ira faire un tour aussi dans la neige avec l'Alaska. Pour l'instant, bon, ben, on verra quoi. Bon, ok, ben voilà. Bon, fini cette fois-ci pour cette vidéo. On va se retrouver la prochaine fois. On fera autre chose. Quoi, je sais pas, on verra bien. Bon, allez, je vous dis bye bye donc et à la prochaine vidéo. Allez, ciao.